chauffeur du car scolaire était en état d'ébriété et en l'absence de réflexe, il n'aurait pas freiné assez tôt malgré un ralentissement des voitures qui le précédaient. Et maintenant, des nouvelles concernant le tueur de la famille Hervé. Pour rappel, les parents et les trois enfants de 10 à 3 ans ont été tués dans leur domicile dans la nuit du 3 janvier. Le tueur, qui n'a toujours pas été identifié, aurait séjourné dans la cave un long moment avant de passer à l'acte. Séjour qui pourrait s'étendre jusqu'à 3 jours selon le rapport d'enquête. Rien n'indique que la famille Herbier avait eu connaissance de la présence du tueur dans leur domicile. Pourtant, aucun signe d'effraction n'a été relevé. Sans transition, les gels douches pourraient-ils être nocifs pour la santé? Les laboratoires se penchent sur la question. Excuse-moi chérie, je pensais que t'avais ton dîner d'affaires ce soir, que tu rentrerais plus tard. Oh, j'ai dû me tromper. Du coup, j'ai pas fait à manger. Super. Et qu'est-ce qu'on mange de bon? Toi. Wow. Ok. Oh, ça va être toutes mes affaires tout à l'heure, mon portefeuille, mon portable, mes clés. Je suis au commissariat, là, si tu